Il reste encore une étape, l'équipe de France de rugby, avant d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. En tête du groupe A, les hommes de Fabien Galthié vont affronter l'Italie vendredi soir 21h au Groupama Stadium de Lyon. Pour cette rencontre que les Bleus ne doivent pas prendre à la légère, l'entraîneur tricolore a fait le choix de ne pas aligner une équipe bi-totale, loin de là. Ainsi, plusieurs titulaires habituels comme Damien Penaud ou Mathieu Jalibert débuteront la partie. Pas vraiment du goût de certains observateurs. Et c'est surtout la crainte d'une nouvelle blessure d'un cadre qui inquiète Bertrand Latour. Le journaliste de la chaîne L'Équipe a commenté mercredi la composition du 15 français. Il y a autant de chances de ne pas se qualifier que je me fasse moine. Les Italiens en ont pris 96 la semaine passée avec leur équipe type face aux Néo-Zélandais. Ils n'ont eu qu'une semaine de récupération, ils ont le moral dans les chaussettes et nous on est frais comme des gardons. Ce qui me chagrine, c'est qu'on pète suffisamment de joueurs depuis le début de préparation et de la compétition, et si l'équipe avait pu être non pas bis, mais un peu mixte, ça m'aurait arrangé. Crainte pour Penaud. En vue d'un quart de finale qui se profile face à l'Afrique du Sud, Bertrand Latour aurait donc préféré que certains cadres soient davantage protégés. Disons que si on pouvait éviter de perdre Penaud, par exemple, ainsi qu'Aldrit. Déjà, avec les mauvaises nouvelles qui nous sont arrivées, s'ils ne sont pas là, on a de moins en moins de chances de nous qualifier face aux Sud-Africains. De son côté, Fabien Galthié préfère que ses cadres jouent pour ne pas perdre le rythme et se créer des repères.